Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a proposé un tirage de cartes que j'ai accepté, bien sûr, concernant les affaires de pédophilie en Allemagne. Ghislaine Maxwell a été arrêtée. Va-t-elle faire des révélations? Donc voilà, je vais tirer les cartes pour ce sujet et ensuite savoir est-ce que ça va entacher la France. Est-ce que, vu que ce sera certainement les hauts placés qui vont être inquiétés, est-ce que ça va aller jusqu'en France? Voilà les questions d'aujourd'hui. Je vais prendre mon oracle, le manuscrit que je brasse et à qui je demande concernant ces affaires de pédophilie en Allemagne. Est-ce qu'il y aura des révélations inquiétantes, bien sûr, des révélations qui vont inquiéter certaines personnes bien placées, si on peut dire ainsi. Voilà, j'étale, je retire mes belles pierres et mon beau papillon. Alors, 5 cartes. Voilà. Première, nous avons la force. Oui, en tout cas, avec force, ces histoires vont sortir. Vraiment, là, ça va. Et on ne veut pas laisser passer ces affaires-là, en fait, au niveau de la justice. Y a des soutiens, c'est-à-dire que ils ont des preuves. Et pour moi, cette personne, Ghislaine Maxwell, va révéler beaucoup de choses. Oui, elle va révéler beaucoup de choses, car de toute façon, elle sait que elle ne peut pas faire autrement. On a des preuves, la justice a des preuves, avec la force, et elle demande le soutien aussi de la justice si elle révèle des choses. Donc le soutien aussi, ça peut être aussi une peine amoindrie. Ça peut être ça, ça peut être le soutien face à ces personnes qu'elle va inquiéter. Elle demande soutien. Et en tout cas, il y a le puzzle et toutes les pièces vont se remettre en place et on va avoir la vérité. Ça va être révélé grâce à cette femme, Ghislaine Maxwell. Et effectivement, hein. Elle va dire des choses, elle va révéler, mais avant de dire les choses, elle va demander le soutien et que sa peine soit amoindrie. Et après, elle va révéler des choses et les pièces vont se mettre, s'imbriquer les unes après les autres. Et donc, ça va inquiéter forcément des personnalités. Hein. Elle va dire beaucoup de choses. Vous voyez, là, c'est pour moi, c'est la matière grise, hein, le cerveau. Il y a plein de choses qui vont être révélées. Hein. Et voilà, il y aura une fissure, une cassure, une séparation. Donc, c'est vrai qu'en Allemagne, ça va faire vraiment écho, cette histoire, même en dehors de l'Allemagne. Et en tout cas, ça va faire une grosse fissure au niveau de la politique et puis au niveau de l'économie, etc. quoi. Cette histoire va faire beaucoup de mal en Allemagne. Donc, je vais repositionner juste 3 cartes dessus. Car pour moi, c'est déjà clair pour l'Allemagne. Alors, il y a quand même de la chance. Alors, est-ce que c'est la chance? Parce que, voilà, ils vont être inquiétés, mais il y aura encore des histoires de gros sous, en fait. Ouais. Et ils vont y travailler, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des bons avocats. Ils vont payer leur peine. Donc, voilà ce que je peux dire. En tout cas, pour faire ce bilan en Allemagne, je dirais oui, Ghislaine Maxwell va être arrêtée. Enfin, est arrêtée. Elle va annoncer des choses, mais avant, elle va demander le soutien, une protection et que sa peine soit amoindrie, ça c'est clair. Et elle va donc dévoiler vraiment des choses qui va toucher les hauts placés en Allemagne. Ouais, ça c'est clair. Il y aura vraiment cette cassure, cette fissure, ça va anéantir beaucoup de personnes et ça va casser des familles au niveau des hauts placés, ça c'est clair. Et des choses qui vont être révélées, hein. En Allemagne. Maintenant, la question en France. Est-ce que cette histoire de pédophilie va rebondir en France? Est-ce que cette histoire de pédophilie va rebondir en France? Voilà, j'étale. Toujours 5. Alors, première carte. Voilà, ça va atteindre. Déjà, en intra,
en Allemagne, hein, dans les familles, ça va toucher. Mais là, je vois aussi les pays, les uns après les autres. Et donc, pour moi, la France va être touchée également. Les hauts placés, il y a certaines personnes qui vont être inquiétées aussi en France. Secret d'État. Il y a vraiment des secrets. Pour l'instant, il y aura beaucoup de secrets. On va essayer de cacher en France les choses. Mais beaucoup de questionnements. Donc, il y a des choses qui vont ressurgir. Toujours, hein, puisque la question, c'était en France. On va essayer d'étouffer les affaires, ces affaires de pédophiles en France. Mais beaucoup de questionnements vont ressurgir, vont sortir. Et voilà, pour moi, il y aura effectivement des personnes hautes placées, enfin, des personnes hautes placées, oui, si on peut dire ainsi, qui vont être inquiétées aussi en France. Il y aura beaucoup de scandales sur cette histoire, ces affaires de pédophilie et d'exploitation d'enfants, si on peut dire ainsi. Ouais. Et on me dit là, en canalisation, qu'ils pensent être intouchables. Mais tout remonte à la surface, hein, avec voilà, ces questionnements, ça va remonter, même si on veut garder ça secret. Il y a la mort. Alors la mort, ça veut dire ils vont être inquiétés, hein, au niveau de ces affaires-là. Hein. Ceux qui sont mêlés vont être inquiétés. Ils vont demander le soutien, voilà, soutien de la France, soutien d'avocats, voilà, c'est clair que en France aussi, ils vont demander le soutien d'avocats, de la politique, des gens haut placés également. Mais ils vont être quand même inquiétés, j'en repose trois uniquement. Donc oui, ça va remonter à la surface en France aussi, si on peut dire de cette manière. Regardez, la même carte qui sort. Donc, il y a des choses qui vont être dites. Ouais, des choses qui vont être dites pour la France aussi. Ils vont être mal, hein. Donc la médecine, au niveau de la santé, ils vont être très mal. Déjà là, avec ces histoires, on me dit, avec ces histoires en Allemagne, ils savent très bien que ça va fuiter, ça va venir jusqu'en France. Ouais, danger, vous voyez, voilà. Tout est dit, hein. Donc danger pour ces hauts placés aussi en France. Donc oui, ça commence en Allemagne. Avec Ghislaine Maxwell qui est arrêtée, qui va dévoiler beaucoup de choses, et ça va aller même plus loin jusqu'en France et même d'autres pays. Avec la famille, je vois même d'autres pays certainement. Hein, grand, ouais. Il y a d'autres pays qui sont inquiétés, hein, aux alentours. Et en France, donc la question c'était en France, oui, danger. Et là déjà, les hauts placés qui sont mêlés à ces affaires, à ces histoires de pédophilie, sont mal, hein, parce que là, ils aimeraient étouffer l'affaire avec le secret, et, voilà, étouffer, que ça n'arrive pas, mais ça va venir. D'où ils sont mal et le danger pour eux. Hein. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt les papillons. Je vous embrasse tous très fort.